Y a quelqu'un ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais y a pas qu'est-ce qu'il y a eu, y a quelque chose en fait. Aucun putain de sens, mec. J'ai mal à la tête, c'est chaud. Donc, comme je disais dans la... juste avant, t'as mis à disposition la table de Ouija, le radiomètre, ouais. Et la bougie. Ok. Donc, il se trouve au sous-sol, en passant par cette porte qui est fermée, alors que comme on disait dans la demande juste avant, qui était fermée, qui était ouverte. Ok. Donc, oui, bah oui. Toi, tu as remis le matériel. Je te conseille de quand même déambuler un petit peu, se présenter, merci. Essayer de faire l'aider au niveau du grenier. Ok, bah je m'occupe d'aider au grenier, j'irai checker pour la Ouija en bas. Yes. Et je ferai une séance Ouija. Ok, ça marche. Voilà, tu te démerdes là au montage pour nous caler. Oui, oui, on va essayer de se caler au maximum. C'est toujours un problème. Donc, moi, on va essayer de déambuler. Bonsoir, je m'appelle Tyler, je suis un chercheur de réponses, un CDR, comme on nous appelle plus communément. Je suis venu avec mon collègue, VP, nous ne sommes pas là pour vous faire du mal ou vous causer du tort, monsieur Paul. Nous sommes venus dans votre maison pour essayer de rentrer en contact avec vous par rapport aux tragiques événements qui se sont déroulés dans le passé. Nous sommes réellement des personnes en quête de réponse. Donc, j'ai des dés avec moi. Comme vous pouvez le voir, monsieur Paul, je vous les montre. Je vais aller les dispositionner au grenier de votre maison. Je vais jeter les dés à plusieurs reprises pour voir si vous indiquer des mots par rapport au dé. Donc finalement, l'exercice qui va suivre ah, putain, je me sens mal. Ok, je me sens pas très très bien, monsieur Paul, si vous êtes là, sachez que je me sens pas très très bien. Bon, je vais mettre à votre disposition des dés qui sont chacun d'entre eux notés et qui sont... et qui sont, de vous à moi, un moyen de communication . Donc je vais jeter les dés
c'est le A. Ok, donc nous avons le I, le O, le E, le L, I, W, O, A, I, I, F, P, S, Q, A, T, I, I, A, L, O, Y, E, W, ok, ok, très bien. Donc là on a quoi? Il est difficile de trouver des mots comme ça sur le moment. Donc, ce que je vous propose, c'est d'analyser ces mots que vous avez communiqués à travers les dés de lettrage, mais d'essayer de relancer les dés. Comme ça, si vous ne pouvez pas interagir avec moi dans la dimension dans laquelle nous nous trouvons, peut-être que, à l'analyse des images, je pourrais compiler des mots grâce aux formations des dés, et peut-être que ceci nous permettrait de comprendre plus de sens aux mots que nous pourrions décrypter à travers l'exercice des dés. Donc je vais les reprendre actuellement dans mes mains. Êtes-vous ici avec nous dans cette maison à l'heure actuelle, Monsieur Paul? Ok, c'est le N, hein. C'est le N qui est tombé, donc je vais le laisser là. Donc nous avons le S, le C, le L, le N, le I, le G, le U, le A, le B, le N, le R, deuxième R, A, A, N, I, E, B, I. VP? 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 Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ici? Il y a quelqu'un? Excusez-moi. J'ai entendu du bruit qui venait d'en bas. Bon, il y a le VP en bas. Donc le A. Une fois de plus le I. Le D. Le W. Et le R. J'analyserai cette suite et cette séquence de lettrage au moment de l'analyse du son et des images. Parce que là, qu'est-ce qu'on peut compiler
finalement comme mot, il y a... Alors attendez. Il y a beaucoup de mots à compiler, j'en ai plusieurs déjà en tête. Ok. Donc, je vais ranger les dés. VP! VP! Alors, il faut savoir que lors de la première enquête, le VP a eu un comportement très bizarre. Donc, je vous avouerai que je vais pas rester ici et je vais rejoindre le VP immédiatement en fait. J'ai fait les dés là-haut. Ouais. J'ai pas pris le temps de déchiffrer parce que j'entendais du bruit en bas, tu vois. Je suis descendu en bas, j'ai cru qu'il y avait un problème. Pourtant, c'est rien passé ici. Très bien, bah très bien. C'est que du haut, j'entends. Il n'y avait pas de bruit en bas ? Non, aucun. Mais frérot, du haut, j'entendais des. Des bruits comme ça. Bah, tu verras, tu t'entendras sur l'audio. T'entendras, frère, on entend des bruits sourds au loin. D'accord. Ok. Je remonte là-haut. Je remonte, je prends les températures. Ok. Donc là, dans l'escalier, on est à 6-8. Enfin. 7-1, exactement. Donc là, 4-9, 5, 5-2, 4-7, 4-6, 4-5, 4-4, ok, 4 degrés. Is 2, ok. Alors, ce que je vais faire, c'est... J'ai pris les baguettes avec moi. Donc on va poser quelques questions ici, finalement. Monsieur Paul, je tiens deux baguettes dans mes mains actuellement. La main de droite vous servira à répondre oui.
La main de gauche vous servira à répondre non. Dans le cas d'un croisé, je considérerai votre réponse comme nulle, c'est-à-dire je ne sais pas. Donc, je suis avec mon confrère, actuellement, dans votre maison. Êtes-vous ici avec nous? À peine je lâche tes mains. Donc vous n'êtes pas dans votre demeure avec nous, si j'en crois mes instruments de mesure. Très bien, monsieur Paul. Donc vous n'êtes pas là. Donc, est-ce une entité malsaine, démoniaque et putride? Est-ce... qui est là? Voulez-vous du mal? Droite pour oui, gauche pour non. Vous ne savez pas. Il est arrivé une expérience un petit peu douteuse à mon collègue. Donc, je vais m'asseoir. Attendez, il faut que je me cale correctement. Attendez, je me mets vraiment en position. Voilà. Êtes-vous heureux là où vous êtes actuellement, monsieur Paul? Baguette de droite pour un oui, baguette de gauche pour un non, baguette croisée pour aucune réponse. Êtes-vous heureux là où vous êtes? Êtes-vous avec nous en ces murs, monsieur Paul? Et si vous n'êtes pas monsieur Paul, veuillez vous identifier, faire un bruit, parler. Êtes-vous monsieur Paul? Je remets les baguettes dans leur position initiale. Sommes-nous les bienvenus ici? Attendez, faut que j'arrive à me calmer. Parce que là, les réponses qu'il y a eu par rapport aux baguettes, c'est vraiment pas évident. Prenez-vous pour un manque de respect notre présence en ces lieux?
Non. Ok. Je me suis senti mal à l'étage là. Ouais. Je posais des questions là et je sentais un truc bizarre. Je m'étais assis pour poser des questions. J'ai posé des questions et. Ah, j'ai senti que j'étais bizarre au niveau des épaules, ça, des picotements et tout. Oh, merci mon ref. Je m'adressais à Monsieur Paul. Donc, ça se peut que... Enfin... Ce que j'ai senti, c'est que je me demande si on s'adresse à lui ou à quelqu'un d'autre qui veut nous faire croire qu'on s'adresse à Monsieur Paul. Les dés, j'ai fait plusieurs jetés de dés, je verrai à l'analyse. Mmh. Et puis voilà quoi. Tu vois. Ouh. Ouh. Oh là là là, putain, nom de Dieu. Oh. Attends, reste là.
Ah! Ah! Soin! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? VP. Oui. Qu'est-ce qu'on fait là? Je m'avais remis les planches. Elles sont tombées. J'avais envie de pisser, je suis sorti. Non, t'as... J'avais envie de sortir de pisser, moi. T'es sérieux là, gros? Ouais. Bah quoi? Oh. Bah quoi? Reste avec moi. Mais quoi que je suis là. Je suis là, frérot. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu me racontes? Qui reste avec toi? Mais je suis là. T'étais là en train de te rouler par terre. Qu'est-ce que tu me racontes? Qui roule? Viens. Oh. T'étais là en train de te rouler par terre. Il y a à peine 30 secondes. Oh, j'ai un peu étourdi. C'est que moi. Ah, ça va. Allez. Ça me fait du bien de l'air. Là, tu m'as fait très peur. Ouais, c'est du mal. Putain, tu m'as fait peur, gros. Ah bon? T'es en train de te rouler par terre, il va pas être 45 secondes. Tiens. Attends. Ah, oh, j'ai putain de chaud. Attends. J'ai pas d'autre feuille. Putain de chaud. Oh gros, tu viens de me faire peur. Pourquoi? T'étais là. Là dans le salon. T'étais dans un angle. Et juste après, je te vois balancer sur le sol. J'ai eu putain de mal en bas du dos, à gauche, à droite. Enfin, en fait, à gauche et un peu à droite. Mais moi, j'ai le... Moi, pour moi, tu venais me casser les couilles ici, là. Tu vois, devant. Ah, oh, t'inquiète, frérot, y'a rien. Non, t'inquiète, mon ref. Oh, j'ai pas mal au dos, en tout cas. Pour moi, j'étais là en train de cracher, je sais pas quoi, quand t'es venu me parler, quoi. Aucun moment j'ai cru tes trucs chelous de je sais pas quoi, de sauter là-bas. Non, franchement, tu m'as fait. De où ma lampe de tête? Elle est là. Ah. La lampe de tête, elle est là. J'ai plus rien pour m'éclairer. Oh putain. T'es mis en position latérale de sécurité. Ça se trouve. Ouais, mais ça se trouve, il y a quelque chose ici. Faut voir. Qui t'est arrivé la première fois? Oui. Voilà, ça se trouve, il m'est arrivé la même chose. Ça se trouve, il t'est arrivé la même chose. Ben oui, ça se trouve. En 10 fois plus. Non, c'est resté juste assez sommaire. Et toi là, tu m'as fait vraiment peur.
Il faut aller prendre, ramasser les choses et partir. Ça, c'est peut-être. Ça, je vais les récupérer. Toi, t'es pas en état de les récupérer. Vas-y. Même si t'as déposé. Ah, je t'attends dehors. Même si j'ai déposé. Je me sens. T'attends dehors, moi. Oui, j'ai mis les rouges. J'ai mis les rouges. Okay, j'ai mis tous les rouges. Je vais chercher le matos. Oui. Oui, oui. Oh. 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 Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, en fonction de à quelle heure vous allez visionner l'enquête, tout simplement. Donc nous nous retrouvons pour le débrief, de la seconde partie de la maison du cheminot, que j'ai faite du coup avec le VP. Alors je vous avouerai que je vais essayer de faire au plus vite, parce qu'il y a plein de choses à dire, et que je vous avouerai que c'est putain de gris, qui commence à pleuvoir, et donc pas ouf pour la cam, pas ouf pour moi non plus. Mais il pleut trop. Wesh, bon. Putain de merde. Putain, c'est pas ouf, hein. Bon. Peut-être m'y reprendre. Ah, c'est pas ouf, quoi. Bonsoir à toutes et à tous, en fonction de... Enfin, bonjour ou bonsoir, en fonction de quand, à quel moment de la journée vous aurez vu l'enquête. On se retrouve pour ce débrief, du coup, qui concerne la deuxième partie de l'enquête, donc de l'investigation de la maison du cheminot, donc qui est une enquête courte, mais avec vraiment énormément d'éléments intéressants, en fait, dedans. Plein de trucs qui m'ont interpellé, interloqué, justement. Donc, je voulais revenir sur quelques points qui me semblent être importants avec vous. Sur l'enquête, donc déjà il faut savoir un truc, c'est que cette enquête-là, c'est en fouillant dans mes dossiers d'enquête que j'avais de côté. Je clique, je vois le photo, il y avait, en fait c'était dans le fichier de la maison du cheminot, je clique, je vois qu'il y a d'autres vidéos. Bon, je regarde, j'avais totalement oublié déjà, 3 jours après, hein, j'avais totalement oublié qu'on avait tourné l'enquête. Je me souvenais que de l'introduction de l'enquête déjà, tout le reste... totalement oublié. Pour vous dire même, j'en ai reparlé avec le VP récemment là, de ce qui s'est passé à la fin de l'enquête. Le VP m'a dit: ah oui, c'est vrai que t'as fait ça, putain, mais mec, j'avais déjà oublié tout, truc de ouf. Donc incompréhensible d'avoir oublié, si vous voulez, l'enquête ou la nature des événements qui se sont déroulés ce soir là donc déjà là dessus il n'y a pas vraiment d'explication tangible. Donc, du coup, dans cette enquête-là, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lors du moment où je fais l'exercice dans le grenier, donc je le rappelle, le grenier est l'endroit où le cheminot, donc Monsieur Paul, s'est pendu, et la pièce de la cave où le VP s'est agenouillé, c'est là où nous avons retrouvé le corps. Donc, déjà, ça m'a mis la puce à l'oreille, parce que bizarrement, il m'est arrivé un truc très très bizarre dans le grenier. Donc, hyper chelou, alors que le grenier, c'est quand même l'une des pièces
où on se sent le mieux, hein, très clairement. Enfin, en ce qui me concerne, moi, c'est vraiment l'endroit de la maison où je me sens le mieux dans toute la baraque. Et du coup, je commence à essayer de rentrer en contact avec Paul par le biais des baguettes de magnétiseur. Donc, comme vous l'avez vu, Paul m'indique très clairement qu'il ne s'agit pas de lui. Une entité me répond qu'il s'agit d'elle. Et au moment où je lui pose la question, vous nous voulez du bien ou du mal, pas de réponse. Donc je suis parti du principe que il faut rester ultra méfiant, parce que si une entité se prononce avec ce genre de mots-là, ça veut dire qu'elle s'estime ni bonne ni mauvaise. Ni beau, ni moche, quelque chose, une entité singulière, on va dire. Il n'y a pas vraiment, il y a pas d'autres mots. Donc du coup, ça fout un peu les boules, parce que c'est vrai qu'avec tous les contacts qu'on a pu avoir, les choses qui se sont déroulées et tout, forcément, c'est pas super méga rassurant, pour ne rien vous cacher, hein, là-dessus. Donc ça m'a déjà glacé le sang sur le moment de l'enquête. Et ensuite, je voulais revenir aussi très très important sur ce petit détail, qui est que finalement, au moment où le VP vient me rejoindre, en fait, à l'étage, et c'est là que je comprends pas, et que ça va devenir assez chaud aussi pour vous, donc je vous conseillerais de re-regarder la séquence et tout, de vous la repasser, parce que j'ai dû la regarder une centaine de fois, j'ai pas d'explication logique à ça. Donc je fais une espèce de malaise vingale, on va dire, dans le grenier. Je me sentais mal, j'avais très très mal au crâne, mais un mal de tête comme si, genre, franchement, même le lendemain de cuite, t'as pas mal à la tête comme ça, pour te donner un ordre d'idée déjà, hein. Donc du coup, gros mal de tête, j'avais les picotements dans le cou et tout, enfin vraiment, vraiment pas du tout bon délire. Presque un début, honnêtement, presque un bon gros début de malaise vingal en fait, avec presque à la fin, genre perte de connaissance et tout, donc pas ouf. Surtout que ce soir, cette enquête-là, ce soir-là, on avait bien mangé avec Mylène et VP, on a bien bien bouffé à table avec la MIF et tout, donc on est pas parti le ventre vide, on était bien reposé et tout ça, moi et VP, donc... pas de problème à ce niveau-là qui pourrait expliquer que je me sente mal ou avec les jambes lourdes et tout ça d'un coup. Donc pas de souci, parce que ça m'est déjà arrivé pour l'hôpital de partir le ventre vide après une journée de travail, et l'enquête a été très dure à faire. Très très dure à faire, donc maintenant je fais plus l'erreur de partir le ventre vide. Je mange toujours avant, parce que on sait pas combien de temps ça va durer. Tu peux très bien être sur un site pendant 1h30, tu peux très bien être sur un site pendant 4h, quoi. Donc tout va dépendre, donc vaut mieux partir le ventre plein. En tout cas, ce n'est vraiment pas une question de... c'est pas une question de manque de force ou de carence en je ne sais quoi qui aurait pu me rendre dans cet état-là, très clairement. Deuxième chose qui est très importante de noter là-dedans, c'est que au moment où je me sens mal, en fait, quand on entend bien, il y a comme une espèce de respiration à côté de ma voix, moi, en fait, comme un... Ça le fait genre deux fois. Impossible de savoir d'où ça vient, puisqu'en plus, j'ai avec la GoPro, donc on va pas se mentir que le micro de la GoPro, c'est pas ouf. Enfin, c'est pas une GoPro, c'est une caméra sport. Parce que sur GoPro, les micros sont ouf, faut pas se tromper. C'est une caméra sport, donc tu comprendras bien que la prise son, c'est du 128 bits, c'est un peu dans les godasses, on va pas se mentir. T'as un gros bruit de fond derrière qui recouvre toute la bande passante, enfin c'est juste ignoble. Du coup, j'espère que la cam va pas se péter la gueule, je la vois gigoter. Parce que j'avais commencé de vous faire le débrief dans ma cour et tout, là vous avez l'habitude de me voir faire le débrief. Puis comme par hasard, chaton qui me dit vas-y pas trop tard parce qu'il va se mettre à pleuvoir. Je dis oh t'inquiète, je suis jolard. À peine lancé le rec en bas, il s'est mis à pleuvoir. Donc du coup je suis dans le gamos et là le pied il est posé d'une manière très hasardeuse. Donc j'espère que ça va pas me baiser la gueule. Bon, toujours est-il. Donc oui, une espèce de respiration, donc je ne sais pas d'où ça peut venir. Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un frottement que mon blouson aurait occasionné sur le sol ou quoi ou qu'est-ce. Mais en tout cas, on entend vraiment que c'est en décalé par rapport à ma voix, donc c'est vachement bizarre. Et puis à ce moment-là, je ne bouge pas vraiment, il n'y a pas de bruit, donc j'ai du mal à expliquer ça comme phénomène. Et puis aussi, ah oui, alors ça aussi, c'est un truc de fou furieux, parce que quand le VP est monté, donc il me demande si ça va bien, je lui ai dit oui, je me sens mal, machin et tout. Et déjà, si vous faites attention, parce que moi, c'est lors de l'analyse audio et vidéo, donc en post-prod, que j'ai vu mon comportement est trop bizarre. J'ai un comportement, mais tellement chelou, je ne me comporte jamais comme ça. Je veux dire, vous me connaissez à la longue, que ça soit dans les streams, que ça soit machin et tout, vous savez que je suis quelqu'un de linéaire, de droit constant. Je fais pas de trucs bizarres, un coup je me lève, je suis énervé, un coup je me lève, je suis machin. Vous savez comment je suis toujours le même. Et là,
mon discours n'avait pas vraiment de sens. Je répondais aux questions de VP, mais pas avec exactitude. Et en plus de ça, des fois, je lui ai donné des réponses qui ne sont pas des réponses, quoi. Qui limite, limite, je réponds un truc qui n'est même pas en accord avec la nature de la phrase du VP, en fait. Donc, comme ça, c'est clair. Parce qu'en fait, il vient me voir là-haut à l'étage. Donc, du coup, bah, je lui dis que je me suis senti mal, etc. Donc, il s'inquiète pour moi, il vient... on parle de choses et d'autres, et de là on décide, je crois, de quitter la maison, il me semble, hein, parce que c'était peu de temps avant qu'on quitte. Finalement, il y a eu aussi un autre problème, c'est que la caméra du VP n'a pas enregistré, elle a enregistré 7 minutes de noir, alors que full batterie, full carte SD vide et tout, donc bah, malheureusement vous avez même pas le plan du VP finalement. Donc j'étais bien bien écœuré pour ça et j'ai pas vraiment d'explication parce que j'ai refait des tests avec la cam de VP et tout, elle fonctionne parfaitement. On est reparti en enquête hier soir, j'ai visionné les rushs ce matin en me levant, impeccable. Aucun problème de batterie, rien, elle a tenu 1h40 hier, impeccable, tous les rushs sont nickel. Donc j'ai pas bien compris pourquoi ça n'avait pas enregistré avec VP, donc pas ouf du tout. Et donc, bah du coup, donc on parle de choses et d'autres. Le VP vient me chercher là-haut. Donc après mon malaise, on redescend. Et là, c'est là que c'est un truc de ouf. Je me mets à courir. Donc ça, j'ai zéro souvenir de tout ça. Hein. Je me mets à courir dans les marches. Donc déjà, moi, je ne cours jamais dans les enquêtes parce que c'est trop dangereux. Il y a trop de débris sur le sol. Il y a moyen de tomber, de se faire gravement mal. Donc il est vraiment hors de question que je cours dans tous les sens et tout ça. Ça n'a aucun putain de sens. Ça, c'est clair et net. Donc je ne fais jamais ça. Bon, à part quand t'as un très gros coup de panique et que tu dois quitter le lieu ou la zone rapidement, oui, d'accord. Mais autrement dit, non, quoi. Je veux dire, personne fait ça. Donc le truc, c'est quoi? C'est que je me mets à courir dans l'escalier pour aucune raison. Je claque la porte, donc j'enferme le VP qui n'était même pas descendu avec moi encore, qui était encore dans l'escalier en train de descendre. Je l'enferme. Je descends le deuxième escalier et là, soyez très attentifs. Au niveau de la vitre en verre, quand je descends, on entend une voix superpositionnée à la mienne avec... une exactitude de calage au centième de dixième de microseconde, je sais même pas comment on dit pour te dire, parce que c'est parfaitement bien superposé en fait, et on entend une voix beaucoup plus grave, genre par exemple, que je suis là, je fais on entend vraiment c'est hyper chelou. J'ai monté le son, j'ai essayé de nettoyer le son, j'ai machin, il y a toujours ce truc là qui est là. Ensuite on me voit descendre, je vais dans le coin à droite dans le salon, donc c'est aucun putain de sens, j'éteins mes lampes, j'attends. Et là, le VP me dit, quand je suis rentré dans le salon, mec, je t'ai vu voler en arrière, en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où le VP rentre, j'ai comme été apparemment tiré en arrière. Alors ça, je m'en souviens pas non plus. Je suis tombé sur le dos, le VP m'a dit, mais t'as fait un vol plané au moins d'un mètre, frère. T'as été tiré, je suis arrivé, t'étais dans l'angle. Au moment où je suis arrivé, en fait, tu quittais l'angle et tes pieds ne touchaient déjà plus le sol. Donc, truc de malade mental. Je reprends mes esprits, le VP essaye de me parler, je suis à deux doigts de l'embrouiller, genre mes limites à le taper carrément, parce que comme il m'a dit en voyant les rushs, il me dit « Ah oui, c'est vrai que cette face, frère, mais mec, t'étais trop bizarre, t'as failli m'enquiller et tout pour rien. Excusez-moi pour la pluie, hein, les loustiques. » Ouais, ça va s'entendre de ouf, mais bon. C'est romantique, wesh, non? Petit débrief sous la pluie. Bref, et donc du coup, mes pieds ne touchaient déjà plus le sol à ce moment-là. J'ai essayé d'une manière très virulente et sans aucune explication logique de m'en prendre au VP, en fait. À un moment donné, je lui dis « Qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi. T'as quoi, toi? Qu'est-ce que tu veux, toi ?» machin. Je leur pousse le machin et tout. Je sais même pas si je lui ai pas mis un coup à un moment, parce que j'ai l'impression à un moment donné de l'avoir frappé dans le torse ou quoi, je sais pas trop. C'est un peu bizarre, on entend un bruit de coup. Le VP qui est là, comme ça, qui me repousse et tout, je sais pas, c'est trop bizarre. Et après, c'est là en fait, après, quand on est dehors, je sors de la maison. Et je lui dis qu'en fait, pour moi, il était venu me faire chier dehors, que j'étais en train de pisser dehors et tout. Donc, je me souviens plus du tout de ce délire-là. Et surtout, tout ce que je lui dis, je lui parle de plaques qu'on a mis, qui ont été bougées, tout. Enfin, je veux dire, si vous voulez, mon explication avec VP, la discussion que j'ai après, n'a aucun putain de sens. Je raconte n'importe quoi, ça n'a aucun lien ce que je raconte. Le VP me dit, bon, bah, on y va, tu m'attends, je m'allonge dans le jardin. Il part chercher le matériel dans la maison pour revenir. Je sais pas ce que je branle, je me relève, je saute la barrière, il m'a retrouvé dans la rue. Hein. Le VP m'a retrouvé dans la rue ce soir-là, à 15-20 mètres de la maison, en train de marcher, en train de rentrer chez moi à pied, comme si j'étais pas venu avec le VP, comme si j'avais pas de caméra, comme si rien en fait. Comme si je rentrais de chez un pote à pied la nuit, quoi, normal. Donc vraiment trop chelou, mais alors vraiment trop bizarre.
Et je me souviens d'un truc qui m'a beaucoup marqué, c'est que dans le grenier, il y avait une odeur de fumée, en fait. Pas de bois vraiment brûlé, mais plus une odeur de... Comment vous dire? Une odeur de papier brûlé, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, attendez, bougez pas. J'arrive, mon ref, je finis le débrief. J'étais dans la cour, mais je me suis pris une saucisse sec. Vas-y, mon lapin, j'arrive. Et c'est le VP qui rentre du boulot. Et donc, une espèce d'odeur, comme du papier A4 qui aurait été brûlé, en fait. Une vraie odeur de papier, hein, finalement. Ça sentait fort ça dans le grenier quand je suis monté, en fait. Sans aucune explication, en plus, parce qu'il n'y a rien qu'à brûler dans le grenier. C'est ça qui est vachement bizarre, c'est qu'il n'y a pas de départ de feu. C'est une maison qui n'est absolument pas squattée. Il n'y a pas de jeunes qui viennent et tout, donc hyper chelou. Donc, du coup, j'ai pas d'explication pour l'odeur de papier, je comprends pas ce qui s'est réellement passé finalement dans la baraque en elle-même, puisque le VP a eu son problème dans la cave, moi j'ai eu le problème dans le grenier, au final je finis dans un coin, j'ai comme été balancé sur le sol, d'ailleurs tu l'entends, hein, tu l'entends que je tombe et tout, je veux dire, j'aurais pu même m'ouvrir la tête et tout, tu vois ce que je veux dire, ça aurait été un truc de ouf quoi, après t'es là, t'es en trauma crânien et tout, c'est pas évident. Donc en plus c'est du carrelage froid là-bas, il n'y a pas de moquette, il n'y a pas de lino, rien. Donc quand tu frappes le sol violemment comme ça, tu te blesses, hein, très clairement. Donc j'ai pas vraiment d'explication par rapport à ça, mis à part qu'il est fortement possible du coup qu'on ait été autant lui et moi exposés à une incorporation et que justement cette chose essaye de nous dire un truc par les incorporations et tout. Seulement moi ce qui m'est arrivé c'est un peu virulent, c'est pas la bonne approche, tu vois là, je veux dire une entité qui veut essayer de communiquer avec toi d'une manière ou d'une autre, qui vient, qui te tire, qui te rend malade et tout, je suis pas sûr que la démarche soit très saine de base, tu vois, même du côté de l'entité ou de la présence, appelle ça comme tu veux finalement, mais ça reste inexplicable. Donc après je sais pas trop quoi vous dire de plus parce que l'enquête... Elle est hors du temps, je veux dire, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est ça, en fait, le truc aussi. Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi? Dans quel but? Donc, du coup, on va continuer d'investiguer la maison régulièrement. Beaucoup d'entre vous ont demandé aussi une suite de la maison Vanakut. Alors, ça, c'est pareil, ça... Avec ce qui s'est passé dans la maison... On y retournera, c'est sûr et certain, mais c'est vraiment pas de gaieté de cœur, quoi. Hein. Voilà, c'est pas « Ah, trop bien, ça va être une super enquête !» C'est plus « Putain, j'espère que ça va bien se passer et que ça va pas être pire que la dernière fois. » Parce que franchement, la dernière fois, on va pas se mentir, la première fois qu'on a aperçu une forme noire, c'était quand même chez Vanakut. On va pas se mentir. Hein. Le truc était là dans le grenier, quoi. Donc, ouais. Donc, vraiment pas ouf. Beaucoup d'entre vous avaient raison sur le fait que je pense que, justement, la première fois qu'on ait été en contact avec cette fameuse forme noire, bien, du coup, c'était chez Vanakut. Donc, je pense qu'une grande partie de vous a bien raison, puisque, très clairement, avant Vanakut, j'avais entendu beaucoup de choses. Sur la forêt des 13 années, il y avait déjà eu énormément de résultats, mais rien de visible, en fait, très clairement. Là, après, ce sont des choses qui sont devenues visibles. Les formes noires et tout sont devenues visibles. On a réussi à plusieurs fois à les capturer et tout, c'était vraiment un truc de malade mental. Donc je vous avouerai que quand même, retourner chez Vanakut, ça va pas être de gaieté de cœur, mais il va falloir le faire. Grâce à vous, à votre soutien, on achète de plus en plus de matériel, donc on s'est rabattu sur du matériel un petit peu plus d'époque. Là sur le bon coin, j'ai acheté carrément un dictaphone d'époque à cassette avec micro que tu branches dessus et tout ça. Donc du coup on va enregistrer sur des vieilles cassettes et tout à l'ancienne, donc ça va plutôt être stylé, on verra au niveau des PVE, des séances TCI, etc. On va se débrouiller, on va essayer d'allier si vous voulez les anciennes techniques d'investigation avec l'ancien matos, avec quelques matériels nouveaux de nos jours. À savoir que je suis bien conscient que le matériel trop récent apporte pas énormément de résultats malheureusement, puisqu'il est encore beaucoup plus dur finalement. Parce que plus la caméra est de haute qualité, plus c'est détaillé, donc plus tu as de choses à l'écran à regarder, et tu peux passer à côté de petits détails en fait qui sont infimes,
Avec des caméras qui ont un moins haut taux de détail, si tu veux, au final, quelque chose qui bouge ou quoi ou qu'est-ce, tu le verras plus que sur une image 4K. Parce qu'en fait, c'est tellement riche, si tu veux, que bah ton œil ne sait pas où regarder. C'est tellement riche, si tu veux, que tes yeux ne savent plus où regarder sur le plan, parce que c'est hyper complet, il y a beaucoup de choses. Donc travailler plutôt avec des trucs d'époque, même des caméras, des enregistreurs, un K2 à aiguille, ce genre de trucs, ça peut être très intéressant. Pour la Spirit Box, je suis en train de voir pour acheter une Spirit Box d'époque aussi, justement, qui a été modifiée avec, avec un noise gate, avec des reverbs et tout dessus. Ça enlève le tch-tch-tch-tch-tch et on entend vraiment que les PVE et tout, donc je suis en train de voir pour acheter ça. Je vous présenterai en enquête en espérant que ça peut apporter beaucoup de résultats. C'est vrai que les dés, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de mes confrères qui utilisent le système des dés parce que c'est vrai que ce n'est pas reconnu officiellement comme une méthode de communication dans le paranormal en fait. Donc du coup il y a quelques-uns de mes confrères qui travaillent avec des dés de couleurs, de lettrage, de machin, mais on n'est pas, comment dirais-je, on fait pas l'unanimité si vous voulez quoi. C'est-à-dire que voilà, on est un petit groupe à utiliser ces méthodes-là. Et au final, je suggère à mes autres confrères de faire comme nous, finalement, d'utiliser les dés à lettres et dés à dessin, parce qu'on obtient quand même énormément de choses qui sont super frappantes par l'écriture, et ça fait aussi forme d'écriture automatique par le jeté de dés. Donc les résultats qu'on a eu avec les dés sont vraiment pas à prendre à la légère, mais alors pas du tout. Il y a vraiment eu des séquences de mots, c'est à te glacer le sang. Donc voilà, et au final, c'est vrai qu'on a plus de résultats avec ça, par exemple, que, je sais pas, à quoi je pourrais comparer les dés, parce que c'est pas vraiment comparable, tu vois, c'est un exercice qui est déjà pas facile à faire, et en plus, il faut trouver les mots. Et là où c'est dur aussi avec les dés, c'est que des fois, tu peux te fourvoyer en captant un mot, alors qu'en fait, l'entité a voulu te faire comprendre un autre mot qui t'a échappé, que tu n'as pas vu, en fait. Donc malheureusement, ça, c'est un petit peu le risque aussi avec les dés. Mais expérience très enrichissante, qui apporte vraiment... qui apporte quelques réponses en soulevant d'autres questions. Donc je vous avouerai que c'est un éternel recommencement en soi. Mais un exercice très intéressant qui apporte des résultats très probants. Et donc je vous suggère vraiment, pour ceux qui veulent essayer, de passer par des dés de lettres. Ça peut être intéressant aussi pour vous. Vous pourriez obtenir d'autres réponses par rapport à nous. Donc ça peut être super intéressant. Et que dire de plus sur l'enquête? Que dire de plus sur l'enquête? Bah écoutez, non, rien, mis à part que oui, vachement bizarre que je me souvenais même plus qu'on l'ait tourné. Ouais, c'est un petit peu bizarre dans la baraque quand même, parce que c'est pareil, il y a des bruits, des choses absolument inexplicables. Ce qui est arrivé à Alan, c'est totalement improbable, on va pas se mentir. C'est trop, c'est beaucoup trop en fait. C'est beaucoup, beaucoup trop. Donc il y a des choses qui vraiment nous interpellent au plus haut point et sur lesquelles nous allons continuer d'investiguer de manière à pouvoir approfondir les questions pour obtenir de nouvelles réponses. Donc un très grand merci à vous de votre soutien, un énorme merci pour votre force, pour l'amour que vous nous portez, ainsi que bah, tout support moral et fidélité à notre chaîne et tout. Donc merci à vous. Je le répète et je le dirai jamais assez, mais c'est quand même grâce à vous qu'on a la force de continuer l'émission, d'aller dans des trucs et tout machin, parce que je vous avouerai que c'est creepy et que on va pas se mentir que depuis qu'on a en plus des bruits chez nous, hors caméra, rien à voir avec les enquêtes, il y a des bruits de ouf et tout ça machin, il y en a encore eu ce matin, j'en ai eu cette nuit, voilà, et puis foutre des caméras chez moi, ça me fout les boules quoi, donc j'ai pas trop envie de faire ça, et parce que j'ai peur déjà de ce qu'on pourrait découvrir. Et voilà, donc on verra. En tout cas, on a acheté des pierres de protection, de la sauge blanche, du sel. C'est Chaton qui l'a commandé, mais c'est un sel spécifique en fait qui est recommandé pour le paranormal vraiment. Je sais plus comment elle appelle ça, du sel cristallisé ou du sel non raffiné ou raffiné. Je sais, je me souviens plus du nom exactement, mais bon, c'est ce qui était préconisé d'acheter, donc c'est ce que nous avons acheté. Donc voilà, mais sinon, pourquoi mon comportement a été tout d'un coup comme ça? Comment j'ai pu être jeté dans les airs devant le VP et tout? C'est totalement dingue. Donc voilà, on va continuer d'aller investiguer là-bas pour essayer d'en apprendre plus. Au détriment de se mettre en danger. Oh putain, excusez-moi, elle était un peu forte celle-là. Au détriment de se mettre en danger, malheureusement, parce que bah, c'est vrai que pour obtenir des réponses... Je vois ça un peu comme les chasseurs de tempêtes, voyez-vous, et d'orages.
voilà, les mecs sont obligés de prendre des risques pour faire des clichés de fous, pour faire des vidéos de fous, pour machin. Bah, c'est un petit peu notre cas, c'est-à-dire que dans le paranormal, je pense qu'il faut jamais se relâcher, c'est-à-dire qu'en fait, il faut toujours aller de l'avant, il faut être toujours ultra déterminé et ne pas se poser de questions qui sont en relation avec est-ce que je suis en danger, est-ce que ceci, est-ce que cela. C'est un paramètre très important à prendre en compte, mais si tu ne penses qu'à ça, tu ne fais pas d'enquête en fait. C'est comme les chasseurs de tornades, ils vont chasser aucune tornade, tu vois. Donc il faut savoir prendre des risques en conséquence des actions qu'on veut faire, et pour ce faire, on aura toujours besoin de vous, et c'est la raison pour laquelle je vous remercie énormément, puisque c'est quand même grâce à vous, en très grande partie, que nous pouvons continuer l'émission, qu'on a la force et le courage et la détermination, parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de risques, c'est énormément de choses mises ensemble pour pouvoir proposer ce type d'investigation qui est, pour ne rien vous cacher, pas forcément évidente à tourner, parce qu'il y a les conditions climatiques, il y a tout le matériel, il y a le risque, il y a tout ce qui se passe en plus à côté. Donc pour se concentrer, pour garder l'esprit clair et lucide, je vous avouerai que c'est pas forcément une partie de plaisir, ça je vous le dis. J'entends un bruit maintenant la nuit, je me réveille, je fais toute la maison à la lampe, je vais checker dans le jardin et tout, c'est devenu un truc de ouf, hein. Avant j'entendais des petits bruits, je me levais pas, je me dis oh c'est les chats machin, là maintenant le moindre bruit je suis là, je suis full lumière dans la baraque et tout, donc c'est vraiment quelque chose qui au-delà, si vous voulez, des investigations qu'on vous partage, c'est vraiment comme entrer dans nos vies, ça s'est comme installé. Donc du coup, on essaye de faire les choses en conséquence, mais c'est pas forcément évident parce que tu sais pas vraiment ce qui te suit, pourquoi, quel est le but. Est-ce qu'on passe par la règle des trois, c'est-à-dire que la règle des trois, Ah, j'ai oublié, putain, mais en gros, c'est tourmentation... possession, infestation, ou un truc comme ça. Je me souviens plus exactement, mais en gros, c'est que ça joue avec toi, après ça s'installe, on va dire, de manière plus... Ça s'installe de manière plus sûre et claire dans ta vie, en fait, très clairement. Donc par des bruits, par des signes, par des trucs, par des machins, et ensuite, tu peux peut-être être sujet à une corporation, voire une possession. Donc, tous ces délires-là mis ensemble, je vous avouerai que c'est très bad. Donc on va continuer d'investiguer dans les meilleures conditions possibles. On attend énormément de matériel, puisqu'on va pas se le cacher aussi. Le matériel fait quand même en sorte que on puisse avoir de nouvelles réponses. Donc du coup, on verra bien, si vous voulez, ce qui va être... On va voir ce qui va en découler de tout ça. En tout cas, je suis super intrigué par tout ça et j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer par la suite. Malgré que ça soit terrifiant au plus haut point, parce que c'est quand même un truc de ouf, c'est super flippant. Hier, on était tranquille avec Chaton devant le PC et tout. Et justement, on faisait des analyses audio et tout, des enquêtes précédentes. Et tout d'un coup, sur mon volet, il y a eu un coup, quoi. Un coup de portée, mais comme si un putain de pigeon était rentré dans le volet, quoi, en fait, tu vois. Et donc, bon, bah, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendu, j'ai checké en bas de mon volet, côté rue, hein, donc je suis sorti de la baraque et tout. Pas d'oiseaux, pas de pierres, pas de morceaux de tuiles qui auraient pu éventuellement se décrocher du toit, tomber ou quoi, qu'est-ce, donc rien de tout ça. Donc, super chelou, parce que quand c'est le vent, si tu veux le volet bouger un peu, il queen, tu le sais, puis t'entends le vent. Là, il n'y avait aucun bruit, aucun vent, et d'un coup, bam, un coup sur le volet, comme ça, je te dis, comme si un oiseau s'était écrasé vraiment dans le volet, hein. Il n'y a pas d'autre mot, tu vois. Donc voilà, c'est ce genre de trucs qui sont méga putain de creepy. C'est pas ouf du tout, c'est pas rassurant. Ouais, c'est ça, hein. En fait, pour terminer le débrief, c'est que c'est juste pas rassurant. Mais bon, on fait avec, et puis dans tous les cas, à force de persévérer, je pense qu'on obtiendra peut-être des réponses vraiment aux questions les plus importantes qu'on se pose. Toujours est-il, merci à vous tous pour la force et le soutien, vous êtes des amours, merci pour tous ceux qui rejoignent la TDV, franchement, en tant que membre certifié, vous êtes vraiment les meilleurs, vous êtes au top du top du top. Et puis, maintenant, je vous fais toujours un petit débrief après chaque enquête, comme ça, c'est bien. Vous avez le débrief de l'enquête, et nous avons le débrief tous les mardis soir à 21h30. Donc, bon, bah voilà, comme ça, ça fait plus de débriefs, et c'est pas plus mal. Si vous avez vu des choses dans l'enquête, entendu des choses qui sortent de l'ordinaire ou qui m'auraient échappé, n'hésitez pas à le stipuler dans les commentaires et tout. Il n'y a pas de problème avec mettez-moi le timer et tout, le code minute, c'est carré. Et puis, bah voilà, écoutez, sur ces belles paroles, je vais vous laisser passer une très bonne nuit. Si vous avez vu l'enquête,
le soir, bien sûr, et puis sinon, si tu la vois la journée, bah écoute, frérot, bon courage pour ta journée de boulot et tout. Ça se trouve, il y en a, ils nous regardent le midi avec le McDo, tu vois, sur les genoux et tout, donc voilà. Donc même pour toi, ma gueule, bah bonne journée à toi, bon courage. Et puis, merci à vous tous, on vous embrasse très très fort. On se retrouve donc tous les mercredis, tous les mardis 21h30 pour les streams et analyses, débriefs d'enquêtes et investigations paranormales de la paradustrie. Et puis sinon, il y a pas mal de contenu qui va arriver aussi en termes de stream, en termes gaming, etc. Donc vous en faites pas, ça arrive. Voilà, sur ces belles paroles, je vous embrasse. Passez une excellente nuit ou une excellente journée et on est ensemble comme jamais, ça bouge pas. Ciao.